silure glane est le plus gros poisson de nos eaux douces. C'est en 1977 qu'on en entendit parler pour la première fois en Saône-et-Loire. En fait, il a toujours existé dans nos rivières. Mais depuis plusieurs années, on observe que les pêcheurs en remontent à la surface, de plus en plus nombreux et de plus en plus gros. Le silure présente une grosse tête plate et arrondie, avec de petits yeux et trois paires de barbillons. Dans sa gueule largement fendue, on découvre, à l'entrée, des massifs de petites dents pointues très serrées et inoffensives, et au fond, des dents pharyngiennes. Bien que son poids puisse atteindre 300 kg pour une longueur se situant entre 4 et 5 mètres, dans nos régions, les plus gros sujets pèsent entre 50 et 100 kg, mesurant rarement plus de 3 mètres. Il peut vivre une trentaine d'années, croître de 1 kg par an pendant les 6 ou 7 premières années, puis les années suivantes, de 1 à 6 kg selon le biotope. Le silure est présent soit naturellement, soit par introduction dans la plupart des pays d'Europe. Le silure préfère les cours d'eau aux courants lents, assez profonds, mais il s'acclimate fort bien dans les lacs, les étangs et même dans les lacs de barrage, au fond sablo-vaseux, riche en végétation aquatique. Il se reproduit à la fin du printemps, de mai à juin, quand l'eau atteint une vingtaine de degrés. La femelle pond plusieurs milliers d'œufs sur un nid grossier, près des bords, ensuite fécondé par le mâle dans une tumultueuse agitation. Il monte la garde durant 3 jours jusqu'à l'éclosion. Le silure vit en groupe selon la hiérarchie du plus fort. Il a une activité essentiellement nocturne, mais certains jours, même par temps ensoleillé, son activité permet aux pêcheurs de belles prises. Le silure se nourrit avant et après la période de frais jusqu'à l'automne. Lorsque la température de l'eau baisse, le silure entre en hibernation dans les grandes profondeurs du cours d'eau ou du lac pour n'en sortir qu'au printemps. Sa nourriture est constituée essentiellement de crustacés et de petits poissons, mais c'est aussi un consommateur de radeaux et d'oiseaux aquatiques, ce qui signifie qu'il chasse à tous les niveaux de profondeur. Il est sensible aux odeurs, au goût et au bruit. Les techniques de pêche du silure découlent de ces observations. Amis pêcheurs, bonjour. Nous voici à Chalon-sur-Saône. C'est non seulement le berceau de la photographie, mais c'est en plus un des hauts lieux de la pêche au silure en France. Et c'est à cette pêche et aux différentes techniques de pêche de ce poisson que je vous invite maintenant. Avant de se livrer à la pêche d'un poisson quelconque, il faut savoir à qui on a affaire et il faut connaître les caractéristiques principales du poisson. Et surtout, c'est son mode de vie et ses méthodes nutritionnelles. Ici, nous avons affaire à un poisson à la tête particulièrement aplatie et au corps ensuite relevé verticalement. Ça veut dire quoi en pratique? Cette tête aplatie permet de passer sous les courants les plus puissants, c'est-à-dire que les places préférentielles de ce poisson-là vont se trouver en plein dans les fosses, sous les courants vraiment qui ne tourbillonnent pas trop. La queue est réduite à sa plus simple expression, mais comme tout le corps est relevé horizontalement, c'est après toute la partie arrière du corps qui fait godille. C'est un poisson donc qui sera un poisson lent, qui sera un poisson qui chassera plus ou moins à l'affût. La preuve en est de cette gueule qui est pour un poisson relativement grande, c'est un peu comme le cas de la baudroie en mer. Ses sens, quand on voit ses yeux, ce sont de tout petits yeux minuscules, ce qui dénote un prédateur d'action nocturne. Par contre, son sens gustatif et olfactif équivaut au moins à celui de ceux des squalidés. C'est-à-dire qu'un poisson comme ça peut vous détecter, d'après les expériences en laboratoire, une écrevisse à peu près à 80 mètres. La gueule du poisson n'est pas faite pour couper. On a affaire à une série de petites dents en forme d'aiguille ici qui servent à happer la proie et c'est tout. Un silure ne coupera jamais un poisson en deux. Un silure n'arrachera jamais une patte à un chien comme je l'ai lu un peu trop souvent. Ce sont des âneries de journalistes en mal de copie, c'est tout.
Ce poisson-là se tient en principe au fond. Malgré tout, il y a de somptueuses exceptions qui sont surtout en étang et en lac. Quand il fait beau ou quand le poisson se tient non pas au fond, mais à la surface intermédiaire de la thermocline, c'est-à-dire juste, il se laisse porter par l'eau froide. Il est juste à la limite entre l'eau froide et l'eau chaude. Et en été, il va monter jusque parfois dans les limites très proches de la surface. C'est un poisson qui chasse à fond toutes les proies carnées qu'on peut possible et imaginable, puisque ça va du ver de terre, de la sangsue, en passant par les poissons jusqu'au canard. Mais par contre, il a la particularité de chasser aussi à mi-eau, voire en surface, s'il a détecté une proie qui lui paraît intéressante, directement à la surface. Il fait tout ça sans se servir pratiquement de son système visuel, pour la bonne raison aussi qu'il ne peut discerner que le blanc, le sombre du clair, et c'est à peu près tout. Il fait ça, ce sont les barbillons ici, et une ligne Weber extrêmement développée qui permettent son activité intense. On a cru aussi longtemps que le silure ne mangeait que l'été, que se nourrissait qu'en période chaude, un peu comme les anguilles. On est revenu sur cette opinion parce que on s'est aperçu que les silures qui en hiver sont en état de semi-hibernation dans des grandes fosses se nourrissent malgré tout, et j'ai vu des Russes pêcher le silure sous la glace, c'est donc qu'ils se nourrissent en hiver aussi. Ici à Chalon-sur-Saône, il existe en hiver de grandes concentrations de poissons de la même taille sur des fosses bien déterminées. Et ces concentrations de poissons, les pêcheurs les mettent à profit pour faire de fort belles pêches, même au mois de novembre ou au mois de décembre.